tous, bienvenue sur apprendre-la-batterie.com. Aujourd'hui, un relevé, spécial rentrée, un relevé d'un groupe qui s'appelle Average White Band, que je connaissais pas. Je suis tombé sur le morceau par hasard et j'ai accroché sur le morceau, donc j'ai fait un relevé note à note au départ. Et ce que je vais vous jouer, c'est ce que j'ai essayé de faire le plus proche de la version originale, d'accord? Donc ce morceau s'appelle Schoolboy Crush. Il est issu d'un album qui s'appelle Cut the Cake. Je crois que je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien Cut the Cake. D'accord. Cet album a été enregistré en 1975. C'est pas jeune, on va dire. Voilà, c'est un album où vous retrouverez à la batterie Steve Ferron. D'accord, qui est pas un inconnu sur l'instrument et qui arrive en fait dans le groupe à ce moment-là parce que le batteur original qui s'appelle Robbie McIntosh est mort d'une overdose. Ils ont fait un tube juste avant, quelques années précédemment, qui s'appelle Pick Up the Pieces. Alors Pick Up the Pieces, pour ceux qui connaissent Candy Dolfer, c'est une jolie sax blonde. On a énormément entendu Candy Dolfer jouer Pick Up the Pieces et je savais pas que c'était un morceau d'Average White Band et qui est devenu presque un standard un peu de funk. Voilà, donc ce Pick Up the Pieces, c'est deux. Le morceau Schoolboy Crush qu'on va voir aujourd'hui, c'est deux aussi. Et à la batterie, c'est Steve Ferron qui rentre dans le groupe donc en 75 pour ou 74 pour cet album qui s'appelle Cut the Cake. Et donc, en gros, c'est on voit déjà les capacités de Steve Ferron très jeune parce que Steve Ferron, je pense qu'il est né dans les années 50 et donc il doit avoir 25 ans en gros quand il enregistre ça. Alors la particularité de ce morceau, c'est que c'est un morceau qui a été enregistré donc dans les années 75. C'est pas cliqué, ça peut bouger, il y a une espèce de feeling qui est vraiment comme à l'époque. Donc déjà pour jouer dessus, j'étais obligé de vraiment le travailler pour essayer de prendre de connaître au mieux possible toutes les vagues qu'il pouvait y avoir de tempo, essayer de le plus possible coller au feeling original parce qu'en fait j'ai pas de version drumless sans batterie. J'ai que la version originale avec la batterie derrière, donc automatiquement si je commence à jouer trop à côté, ça fait des flats, c'est pas très joli. Voilà. Alors il y a un peu de lecture, on va dire jusqu'à la double croche, c'est pas énorme, mais il y a quelques plans intéressants. Et puis c'est assez marrant parce qu'on voit déjà qu'à l'époque il y a pas forcément de cymbales en début de structure sur les premiers temps, style en début de couplet ou en début de refrain. Il y a pas forcément de aujourd'hui on met une cymbale sur chaque début de section. Bon, mais là c'est pas forcément le cas. Il y a des choses qui sont assez droites comme les couplets, les refrains. Il y a une espèce d'interlude qui revient à chaque fois où là ça travaille énormément basse batterie. Il y a pas mal de choses qui sont de choses rythmiques qui sont orchestrées différemment. Voilà, donc j'espère que ce morceau vous plaira. Moi la tourne et la mélodie m'ont plu quasiment dès le premier coup, c'est pour ça que je me suis arrêté sur ce morceau. Voilà, c'était pas mal de boulot à tout faire, mais je me suis bien régalé quand même à le faire, donc j'espère que ça vous donnera autant de plaisir à le travailler. Dites-moi si vous aimez ce morceau dans les commentaires ou pas, si ce style de cours vous convient ou pas. Voilà, c'est moins axé sur la technique, beaucoup plus sur le jeu de l'instrument en musique. Voilà, avant je pouvais pas les enregistrer, je pouvais faire que des relevés, maintenant je peux le faire, donc je pense que je travaillerai peut-être plus comme ça, où je vous interpréterai le morceau pour que vous puissiez peut-être voir comment ça se joue par rapport à la partition. Ça peut aider ceux qui lisent mal. J'ai aussi failli oublier de vous dire que bien entendu la partition du morceau est à télécharger dans l'espace membre du site, du blog apprendre-la-batterie.com. Comme d'hab, donc vous remplissez le formulaire qui est en haut à gauche, voilà, avec votre adresse email et votre prénom, je crois, et puis on vous envoie le mot de passe. Et comme ça, vous pouvez vous rentrer dans l'espace membre et télécharger la partition qui doit être à la date du cours d'aujourd'hui. Voilà, c'est quand même important, j'avais oublié ça. Faites-moi un retour dans le formulaire de commentaires, soit de YouTube ou sur le blog directement. Voilà, sinon vous pouvez soutenir ce travail via notre
Tipeee apprendre la batterie.com, ce qui sera très apprécié, hein, pour nous, parce que on a besoin de sous, pas du tout travailler pas du tout. Faites-moi un retour sur tout ça, et puis je vous laisse écouter maintenant le morceau en entier, et à plus tard sur apprendre la batterie.com. Allez, salut.